Une Tesla Model 3 qui a 148 chevaux cartonne à Singapour, apparemment, parce que là-bas, il y a une limite pour pas se faire payer de taxes. En gros, c'est ça, quoi. Alors, 110 kW, 148 chevaux, la berline américaine satisfait les exigences énergétiques de la cité-état de Singapour, mais surtout, elle démontre une pertinence technique assez folle. Tesla ne communique pas sur l'autonomie et la consommation de cette configuration qui n'est pas amenée pour l'instant à envahir de nouvelles contrées. Par voie de facilité, le rayon d'action demeure inchangé à 513 km, mais ses prestations ne peuvent être que bien meilleures. On sait notamment que l'accélération de 0 à 100 grammes de 6,1 à 8,6 secondes. Logique, elle est bridée. Il se vend désormais plus de modèles 3 à Singapour que de modèles Y, une incongruité en 2024. En août, il s'est vendu 186 berlines. Ouais, c'est pas énorme hein, quand même. Contre 122 SUV. À titre informatif, 3949 voitures ont trouvé preneur sur le mois d'août. Tesla emporte donc environ 8% de part de marché dans les faits. Cette modèle 3 ne coûte pas beaucoup plus cher qu'en France, 47 300 euros. Mais ce sont les droits d'immatriculation qui sont facturés une fortune, 79 200 euros, soit environ 127 000 euros. Clé en main, si vous souhaitez malgré tout posséder la version standard de la Model 3 à Singapour, c'est malgré tout possible, mais les taxes seront alors d'environ 9 000 euros plus élevées. Quant à Tesla, presque aucun surplus ne sera facturé, car dans les faits, cette version 110 kW est strictement identique techniquement. Non mais c'est n'importe quoi les tarifs là-bas, enfin. 127 000 euros, une Model 3 bridée à 150 chevaux? C'est un délire, c'est n'importe quoi. C'est quoi ce pays là? Alors je sais pas si c'est pour toutes les voitures pareilles ou si en fait les voitures sont réservées aux riches là-bas. Hein. Je crois que c'est un peu ça l'idée quoi. Quel est votre avis?